Voilà donc pour ce film fort en émotion signé Renaud Bertrand qui retrace l'histoire de Gerson et Francis Perrin et leur jeune fils. C'est l'adaptation en fait du livre qu'ils ont publié en 2012. Alors on y comprend bien sûr la détresse des parents, la douleur, le combat aussi pour avoir un diagnostic et ce sentiment d'abandon, d'injustice face à un système défaillant, qu'il s'agisse du diagnostic ou de la prise en charge. Le point du regard des autres aussi, on en parlera. La France a 40 ans de retard par rapport à ses voisins et aux autres pays sur cette question, alors que le nombre de personnes concernées est absolument considérable. Plus de 600 000 autistes, 8 000 nouveau-nés chaque année. Certains n'hésitent pas à parler d'un scandale français, même si nous le verrons, les choses s'améliorent, commencent à bouger grâce notamment aux orientations prises par le grand plan autisme lancé en 2013. Voilà pour le débat. On va parler de tout cela maintenant avec nos invités et nos grands témoins. Bonsoir Christelle Bugli. Bonsoir.